présidente de la liste The Artist Monkeys. Aujourd'hui dans notre émission La cuisine pour le trou du cul, nous allons apprendre à faire une campagne de Miss BDA bien réussie. Pour commencer, nous allons mettre la main à la pâte. Ensuite, il nous faut des rêves de liste. Faire du théâtre, ouais. Bien transmettre la vision de ouais, ça c'est bien. Avoir des expériences professionnelles, ouais. Me taper des mecs, ouais, ça c'est bien ça. Me retaper des mecs, ouais, carrément. Et là, faut y aller franc, quoi. Il faut encore de l'ambition. Juste ce qu'il faut. Vous avez mis des rêves et aussi l'ambition. Et maintenant... Et là, des grumeaux vont se former. Le remède, vous rajoutez un steak pourri jusqu'à la moelle qui va rajouter du piment et un zeste de trahison. Et là, vous rajoutez quelques fruits de démarchage. Pour la sauce. Des bonnes larmes de liste. Et il en faudra beaucoup. Alors venez à la robée et comportez-vous comme des sauvages. J'en peux plus, putain! J'en peux plus! Et pendant vos campagnes, si vos parents vous demandent si vous travaillez, vous leur racontez... Et là, vous faites des réunions de liste. Beaucoup de réunions de liste. Vous faites du gras et vous pagayez dans la soule. Et bien sûr, il vous faudra des assaisonnements. Soyez généreux. Prenez les œufs de tous les membres de la liste adverse et là... Et là, il faut impressionner le BDA. Mais souvent, c'est râpé. Et là, vous touillez comme si vous étiez un membre du BDA. Vous malaxez. Vous défoncez. Vous allez leur faire comprendre à ces petits merdeuses qu'on a enduré. Vous écrasez, ça donne plus d'odeur. Vous broyez. Et avec ça, vous en avez pour tout le mois de novembre. Et c'est ainsi que s'achève notre émission La cuisine de trou du cul. Et surtout, n'oubliez pas, faites le bon choix.